Des amis, vu comment tu passes du temps sur ton téléphone, t'es sérieux quoi. Là ouais, je pense que c'est sérieux. T'es sérieux, t'es toujours avec ta console? Bah oui, alors il y a mes potes aussi. Bah ouais, tes potes. Et moi, je passe pourquoi, s'il te plaît? Je suis ta copine, je suis jamais avec toi. Bah et alors, il y a bien mes potes aussi. Femme. Je sais pas. Elle avait vu la fille. Bah ça fait deux jours qu'elle est partie, soit je vais la donner un jour. Mais je sais pas, je vous dis. Ah. Ça va? Vous dérange pas? Sur les faits d'hier, s'il vous plaît. Hier, je suis allée assister à un match de basket et j'ai aperçu un homme à capuche. Pour moi, il avait le visage déformé. Je pensais vraiment avoir mal vu, mais quelques heures plus tard, je l'ai réaperçu en vélo. Je l'ai donc suivi dans la forêt et il était là. De plus, depuis qu'il est arrivé, il y a de moins en moins de monde dans la rue. Les gens disparaissent et je n'entends plus les oiseaux. Je suis sûre et certaine qu'il est là. Ce qui est étonnant dans vos propos, c'est que mes collègues se sont rendus hier soir dans la forêt. Pas de trace du météore, pas de trace de pas. On a même auditionné les joueurs de basket. Pas de personne capuchée. Mais faut le faire, regardez, je l'ai dessiné. Je l'ai aperçu à plusieurs reprises. Il l'a regardé. Écoutez, mademoiselle, calmez-vous, respirez lentement. Vous semblez juste manquer un peu d'affection, tout simplement. Mais il faut me croire, je l'ai vu. Calmez-vous, mademoiselle. Non, il faut me croire. On vous croit. Et là, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est? Ça m'a l'air... Mais ça, c'est une tisane pour m'endormir les soirs. Depuis le temps qu'il est arrivé, je n'endors plus. Ça sent, ça me semble un petit peu fort.
Non, c'est juste pour m'endormir. Plus les médicaments, c'est vrai que c'est peut-être pas très conseillé. Mais ça, c'est le médecin qui me l'a prescrit. D'accord. Vous allez nous accompagner, mademoiselle Columbus. Non, faut me croire, regardez. On va suivre le docteur. Non, Mais de qui elle parle? Il n'y a pas de qui elle parle.